De pire en pire, nous, quand on vlog nos têtes, ça sent fierté. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon, une bonne journée. Vous verrez ce vlog, on sera presque à une semaine. Donc on sera au jour 6. Ça passe, hein, l'air de rien, non ouais. Là, on a Ronflex. Le nain dormeur. Là, on a le geek. Aujourd'hui, on va dîner, on va faire chez ma cousine. Donc hier, j'étais trop chaos technique. La vérité, j'ai dormi d'un coup. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais. J'ai enregistré en train de ronfler. En train de ronfler? Ouais. Non. On a trop mangé. Franchement, je mange plus comme ça. Hein. C'est fini. Ah, c'est les gâteaux. Ouais. Parce que en salé, ça va. On a été raisonnable. Moi, j'avais pas. Le vent. En fait, faut pas se forcer à manger, manger, manger. On peut manger ce que. Enfin, la quantité que. Est-ce que je peux finir quand même ma phrase? Non? C'est possible. Notre paume de main, c'est la quantité qu'on peut. Enfin, qu'on doit du moins manger. Enfin, on doit rester raisonnable. Et le mois de Ramadan aussi, ça sert à ça. Ça sert à pas se péter le bide comme des cochons là. Et à la fin, dormir. Et ne plus se souvenir comme si tu avais fait une soirée en boîte de nuit, quoi. Ça a été trop cool. Je vais préparer l'ordi pour qu'il puisse justement deviner. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo où dedans on faisait un challenge spécial dessins animés des années 90. C'est beaucoup mon du ménant, c'est pas les dessins animés des années 90. Donc là, on va faire par contre vraiment un quiz des années 90, des séries des années 90. Let's go, on commence avec la première série. C'est parti. Tu as 10 secondes, d'accord? Ouais. 10 secondes et après on peut pas. Buffy côté vampire. C'est facile ça. Ah mais ça c'est le premier. Bon bah c'était Buffy contre les vampires. Je sais pas si vous avez deviné. Ah ça c'est pour mettre en confiance, genre ouais. Genre c'est un petit peu light. Bien joué. Continue à regarder, hein. Ça passe sur France 5 là, l'après-midi, franchement, ça vaut pas les nouvelles séries. Hein. Ça c'est vraiment les années 90, hein. Là, jusque là, sans faute. Hein. T'es prêt? Il faut donner le nom exact de la série. D'accord. Ok. Oh mince. C'est trop facile. Pas les trucs d'amour. Non, moi t'as perdu. Les non, trucs de. Ah. Ils ont fait le remake là. Non, pas le remake, ils ont fait la suite. Oh, là, là, là. Hélène et les garçons. Je sais pas pourquoi j'étais bloqué sur les trucs d'amour. 28 ans. Bienvenue. Ouais. C'est bien. Vincent, regardez tout le temps. Ah super, t'es prêt? T'as 10 secondes. Vas-y. De fun. Ouais, tout fun. Eh, j'ai dit ça parce que c'est. Je pensais à ça. Tu l'as dit à 8 secondes. Je l'ai dit comme ça. Je me suis dit, je suis sûr, c'est un truc comme Dawson ou un truc. Ouais, Dawson. Friends. Facile. Il y avait une meuf avec qui j'étais à l'école, c'était trop drôle. J'étais à table à la cantine, et on disait ah moi j'aime bien ci, ah, moi j'aime bien ce film. Après on lui dit c'est quoi toi ta série préférée? Après elle dit bah Friand. Je sais pas si elle se reconnaîtra, mais en tout cas on a rigolé. Hein. C'est Friand. Après on a dit Friand, c'est quoi Friand? Après nous on a pensé à l'entrée à la cantine. Ouais, ouais, Friand. Ouais. Après on dit Friand, c'est un plat. Après elle dit bah non la série là avec tous les potes et tout. Après on dit Friends. Après elle dit ouais, enfin Friand, Friends, c'est la même chose. T'es prêt? Ouais. Notre belle famille. Ah, t'as trouvé le film. C'est ma série préférée. Bah, il monte dans le truc. Dans le manège, ouais. Il y a une autre série, je sais pas si tu vas la mettre, on verra. La petite maison d'un peu. C'est incroyable, juste avec trois notes, on peut se souvenir de. C'est notre enfant. Moi, ça me saoulait, moi, franchement. Moi, quand je rentrais le midi et qu'il passait ça sur M6, j'étais tellement déçu. Ah ouais, une déception entre midi et 2h. C'est mon moment à moi. On kiffait pour aller regarder la petite maison après. Une nouvelle d'enfer. J'ai besoin
bridal shop in flash queens. Queen. And we kicked her out in one of those crushing scenes. The nanny. Sabrina l'apprentie sorcière. Ah ouais, j'avais pas. J'avais pas, donc il connaît pas. C'était la chasse, ça. Ah mince. Non. Je connais le truc, mais je me souviens plus. S-Club 7. Ah oui, voilà. Eh ben oui, quand même, hein. KD2A, tout ça. KD2A, ouais. T'as oublié? Agent touriste. Magnum. Alors, il faut un seul. Magnum. C'est quoi Magnum? C'est pas ça. Non, c'est pas Magnum. Ah non. Attends. J'ai trouvé. Je pensais à autre chose. Non, j'ai fait un coup de dyslexie. Non, c'est une réponse. MacGyver. Non, déjà t'avais dit un premier, c'est oui, pas ça. Agent touriste. Agent touriste, après tu dis Magnum, après tu dis MacGyver. En fait, Magnum, je pensais à MacGyver. On m'appelait MacGyver quand j'étais petit. La coupe des années 90, là. La grosse touffe. Tout le monde disait qu'une femme médecin ne pourrait pas être seule à la limite des terres colonisées. Ouais. C'est chasse, pêche, nature et tradition, ça c'est pas possible. Maman, t'as perdu. Non, j'ai perdu. Mais je vois ce que c'est, mais j'arrive pas. Non, c'est bon. Lois et Clark, les aventures de Superman. Ah oui. Et oui, Lois et Clark, qui se souvient quand même. Alors, Walker, c'est. Regarde comme ça, le cheval, regarde. Il a pas de cheval, hein, mais. Il est lourd, le mien. Le mien, il est lourd. Oh, ouais. Arrête. Le mien, il est lourd. Tu triches, tu triches. C'est quelle main, ça? Il a la couche, le pauvre. See you guys, moi je vais monter le vlog et je vous retrouve tout de suite après. If you're thinking about leaving, let me know. If you're thinking that you don't wanna hurt me, faut pas être Einstein, hein, je pense. Donc step 1, on doit mesurer la fenêtre. Step 2, on doit couper le papier. Step 3, on doit coller la languette au bord de la fenêtre. Mais attention, ils disent de mettre ça en dessous. D'accord, ok. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon les amis, on a tenté de couper avec le ciseau, mais c'était mort. Franchement, c'est hyper chaud de couper avec un ciseau comme ça, une épaisseur comme ça. Du coup, on a procédé avec un couteau et c'était nettement plus pratique. Et voilà, solution à petit prix, franchement, parfait. 3 euros chez Ikea. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a un ours dormeur. Pendant que le vlog était en train de charger, j'étais en train de regarder des livres à acheter. Donc j'ai acheté pas mal de livres. Alors, je te le dis au cas où. Au cas où tu vois une petite facture. Sur la sagesse, la religion, sur la colère, sur la purification, sur plein de trucs. Donc je vous montrerai les livres que j'ai commandés. C'est des livres qu'on peut garder tout le temps et qu'on peut relire et lire et relire et relire. Donc j'ai hâte de les recevoir. Elias s'est réveillé, il a pleuré. Je crois qu'il croyait qu'il était tout seul, donc il est sorti de son lit. Ouais. Je vais aller me saper parce que là, la dégaine du dimanche. Au revoir. Let's go, on vous embarque avec nous pour un tour presque parfait. On dirait Sonic. Pas kilo de cochon doux. Doucement, il tient ses fesses. Arrête, c'est pas bon qu'on le craque.
Alors, regardez, une petite idée de tenue rapide et efficace pour l'été. Donc, une petite chemise comme ça, rose, avec un petit jean taille haut Zara et les petites mules de chez H&M. Franchement, c'est pas un beau combo? Non, mais franchement, on en parle de ce jean là. Que je vous explique l'histoire de ce jean. Il était trop petit pour moi à la base. Quand je l'avais acheté, je rentrais à peine dedans, c'est-à-dire que le bouton, j'avais du mal à le fermer. Et là, bon bah, je vais mettre une ceinture. C'est parti. Génial. On est bien sorti, mais je vous dis pas entre temps, Elias. Là, on s'en va. On va devoir rejoindre Farah d'abord pour ensuite tous prendre la route avec une seule voiture, parce que du coup, ça sert à rien de partir à deux voitures. Et oui, j'ai changé totalement de tenue. Alors là, je peux vous dire que j'étais bipolaire aujourd'hui. Non, il croit, il va en cours là. Vas-y, il est pressé, il est en retard, tu sais. On est en voiture, donc on est sur le chemin. On en a pour combien de temps de route? Une heure. Une heure, Inch'Allah, donc ça va le faire. Hein. On est en chemin, tranquillou. Hein. Il y en a qui stressent, il y en a qui ont les crocs. I'm going out tonight. Let's go. 1, 2, 3. He is just a boy. No. Won't let it steal away my shine. No. From time to time. Before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Cause I am on a roll, yeah. So don't hold me back. Il est 5h du matin, je vous dis pas la fatigue, j'étais pas du tout confortable dans la voiture de Farah, j'avais hyper mal au dos derrière. Qu'une hâte, c'est de dormir. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je suis désolée, c'était assez rapide. On a tellement rigolé ce soir que je suis énormément fatiguée. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et à demain, du coup, pour un nouveau vlog. See you tomorrow, guys. Ciao.